à plusieurs reprises l'occasion de raconter comment Nadja et moi on s'était rencontrés et à quel point ça a été pour moi époustouflant comme rencontre. Ça a été vraiment, ça m'est rentré dedans. Probablement que pour tout le monde, c'est la même chose qui se passe quand on entend cette voix immense et qu'on la voit performer sur scène. Il y a quelque chose qui fait qu'on a envie d'abord d'être son ami, on a envie de la connaître un peu mieux, on a envie de connaître son parcours et on a envie d'en faire partie. J'ai tout de suite eu envie de travailler avec elle, de faire un bout de chemin, de vivre une belle aventure, sans savoir évidemment qu'est-ce que nous aurions comme succès, comme résultat. Il fallait juste travailler très fort, il fallait que nous mettions parfois les bouchées doubles. Quand je dis nous, c'est toute l'équipe qui a travaillé avec elle depuis ses débuts. L'année 2013 a démarré en Lyon. C'est plusieurs millions de téléspectateurs qui t'ont découverte via The Voice. Pour la plupart, ne te connaissaient pas, bien entendu. Et de voir ces quatre fauteuils se retourner sur toi, de te voir performer avec beaucoup de sincérité, d'authenticité, d'assurance. Ça a été, pour tout le monde sur le plateau, en studio, aussi bien le public qui participait à l'émission, ça a été une révélation. J'étais fier d'être là, j'étais fier de te voir touché, ému, par l'accueil du public français. Ce public qui je souhaite, sera là au rendez-vous avec ce disque-là. Et je souhaite qu'il vienne s'ajouter à celui qui est déjà là, qui croit déjà en toi. Ce que tu t'apprêtes à vivre, c'est véritablement le début de ta vraie carrière. Ce sont les chansons, c'est le répertoire, j'allais dire, et ce sont les chansons qui font les carrières. On me l'a dit au début de la mienne, et j'ai eu à maintes reprises l'occasion de le constater. Ces chansons que tu crées aujourd'hui, elles resteront gravées dans nos mémoires, dans la tienne, mais dans nos mémoires à nous tous. C'est comme un premier amour. On peut passer à autre chose à un moment donné, mais ces premiers amours, on ne les oublie jamais. Alors tes chansons, tes premières chansons, de ton répertoire, on ne les oubliera jamais. Et je suis fier, moi, pour ma part, de faire partie de ton équipe et de t'aider à t'amener encore un peu plus loin. C'est ce que je te souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Mais j'ai des milliers de bons mots qui soulagent pendant quelques secondes.